Bonjour et bienvenue dans ce décor de B&B Cartoon. B Cartoon, donc soyez BD. C'est génial. J'adore l'idée, je veux bien être BD. Alors là, on est BD et design avec Christophe Weber, qui est un artiste du numérique, du digital, qui a conçu cette bande dessinée interactive, géante, et où notre image est projetée en temps réel. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que le programme fait du pointillé là où il le faut, ou alors il suit mon mouvement. J'ai vu tout à l'heure un truc génial. On voit presque ma ceinture, la boucle de ma ceinture. On a l'impression d'être dans une BD et c'est la réalité du décor. Je trouve que, par exemple, pour une émission de télé, genre France 3, le soir, sur des émissions un peu intelligentes, il y a un truc fabuleux à faire, quoi, même sur des lancements. Tout, ça donne plein d'idées. Hein. C'est vraiment, c'est très beau, je trouve. Alors, il va nous expliquer comment tout ça fonctionne. Donc, en fait, l'idée, c'est... Ici, pour le Designer's Day, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu explosif. C'est-à-dire que j'ai explosé la BD. J'y ai mélangé l'ameublement de Bébé Italia. Je les ai mis dans ces pages. Et ces pages, elles s'ouvrent en grand, comme une porte. Et au milieu, vous avez une immense BD avec plein de cases. Et ce sont les visiteurs, quand ils rentrent ici, ils deviennent les héros de leur propre histoire dans l'ameublement de Bébé Italia. Donc c'est un jeu de tennis en fait, un jeu de questions-réponses entre la machine et l'individu. À l'entrée, l'accueil d'une grande société, vous avez des gens qui ont rendez-vous, qui viennent et qui s'assoient avec leur mallette et qui attendent. Et ce geste en fait, cette position qui semble anodine, est pour moi extrêmement intéressante. Au moment où il s'assoit avant un rendez-vous où toutes les pensées sont possibles, où il a l'espoir, le désespoir, l'angoisse, l'ennui, voilà, et bien, plein de choses. Toc, je le transforme en héros de BD. Tac, c'est dessiné, et c'est lui qui est dessiné. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête en tant que héros du monde dessiné au moment où il va avoir un rendez-vous ? Et là, il y a de l'héroïsme. Je trouve ça.